à défaut de la fourchette, on se contente du cuidant. Bienvenue dans notre nouvelle émission. Alors vous voyez, sur mes deux côtés, j'ai des personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se connaissent même pas, qui viennent à peine de se découvrir. On va leur poser des questions et on va avancer, on va évoluer. Restez connectés jusqu'à la fin. Alors, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Viva Love. Viva Love. Ça sent déjà l'amour dans l'air. Et de quelle nationalité, madame? Camerounaise. Qui rentre? Qui rentre? N'est-ce pas? Camerounaise. Je vais de l'autre côté, je vais demander à mon jeune frère. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, je vous en grâce. Vous répondez à quel nom? Dajena. Dajena. Vous êtes de quelle nationalité? Béninois. Mais non, voyons trop. Le Bénin est dans la place. Ça sent que ça va être une dinguerie. Bénin, Cameroun. Ça sent bon. Vous avez quel âge, jeune homme? Moi, j'ai 23 ans. Il faut être honnête dans la vie. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis en formation cadrage, art dramatique et cuisine. Formation cadrage, art dramatique et cuisine. Vous êtes passionné de la cuisine? Oui, voilà. Vous avez cuisiné même quoi? Bon, peu importe, tout. D'accord. J'attends mon invitation alors. Pas de souci. Madame? Vous faites quoi dans la vie? Commerçante. Vous êtes commerçante. Dans quel type de commerce exactement? Dans tout. Tout ce qui est cuisine, ménage, décoration de maison et tout. D'accord. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Ça va, j'ai deux jeunes hommes à côté de moi. Ouais, ça va. Pas trop âgé, ça va. Ça promet. Alors, madame, c'est quoi votre style de garçon? J'aime les hommes grands de taille. La couleur de peau, ça dépend. Et bon, j'ai pas de préférence foncée ou bien claire, il n'y a pas de problème. Avec les tablettes de chocolat. Oh! Un peu à la Francis Ngannou, c'est ça? Oui, surtout avec les barbes. C'est très capital, les barbes. C'est ça. En gros, les imberbes, vous n'aimez pas? Je vais avec les barbes. Ah, madame est catégorique. C'est soit tu es barbu, soit rien. Jeune homme, ça va? Ça va. C'est quoi votre style de femme? Votre attirance? Votre genre, comme on le dit? Genre de femme. Waouh. Bon. Géante de taille, bon, pas Apuchou ni skinny, mais... De l'entre autres quoi, un Apu skin, c'est ça? Voilà, effectivement. Et bon, et la beauté, peu importe, mais au moins belle, vous voyez. Quand tu dis la beauté, peu importe, moins belle, sois plus clair, c'est la beauté, soit il n'y en a pas. Il y a ça aussi, voilà, la beauté. Quand tu dis la beauté, genre, elle doit être un peu comme Rihanna ou... Non, c'est bien trop parti. Ah. Cool, c'est bien trop parti. D'accord. Ok, bah écoutez, jeune homme, jeune dame, vous allez enlever vos bandeaux, mais vous ne vous retournez pas. Enlevez votre foulard des yeux, mais ne vous retournez pas. Ça va, vous avez repris les vues. À trois, vous retournez. Un... 2, 3, retournez-vous. Retourne-toi. Madame, vous commencez déjà à sourire. Ça va? Ça va. Ce que vous avez devant vous plaît, on dirait. Pas mal. Merci pour ta gentillesse. Les réponses... Bâtarde, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est oui ou c'est non. Vous aimez ce que vous voyez devant vous ou pas? Pas mal. Ce qui veut dire que vous êtes preneuse. Il y a un adage qui dit que, à défaut de la fourchette, on se contente du cuidant. Je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. À défaut de la fourchette, on se contente du cure-dent. Donc le cure-dent, c'est celui-là, c'est ça? Non, mais on gère. Ah, d'accord.
Jeune homme, le cure-dent de l'autre. Ça va? Ça va, ça va. Vous aimez ce que vous voyez? Ah oui, moi j'ai aimé. Je n'aime pas, vraiment. Il n'y a pas un petit truc où, genre, c'est pas trop hostile et tout? Non, il y a la taille, il y a ça. Je suis choqué. Elle est sincère. Ouais, elle est sincère. Ah oui, elle est sincère. La sincérité de ça. Voilà, la beauté est là. Bon, ça peut aller. Le teint. Je valide. Le gars, il réfléchit même pas. Lui, il est directement validé. C'est-à-dire, il passe. Les taux de questions, là, ça dérange. La sincérité est la partie que tu as insisté. Je peux savoir pourquoi avoir insisté dessus? Pourquoi tu veux savoir? Mes téléspectateurs aussi veulent savoir le pourquoi. C'est moi qui vous ai présenté. Donc, je dois avoir le fameux mot. Hein? Regarde, le jeune homme est tellement ébloui que... il en perd les mots. Donc, jeune homme, alors, si on te propose la jolie dame devant toi, là, en rendez-vous galant, ou, allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin, en mariage. Si sa famille venait à te dire, nous voulons que vous mariez notre fille, c'est quoi votre réponse? C'est oui, quand ma famille a accepté. Les gars, le jeune homme, il est inspiré. Il n'a pas le temps de dire non. Et si jamais, par exemple, il y a un défaut quelconque, une attitude que tu n'aimes pas et tout, comment t'as décomposé avec? On va gérer après. On va voir. On va voir là où ça va finir. Donc, on finit de se marier? D'accord, la suite. Oui. D'accord, j'en reviens vers. C'est quoi votre couleur préférée déjà? Le vert militaire. Sa couleur préférée est le vert militaire. Non, pour moi, c'est le rouge. Aïe, mais... Vous avez quelque chose à dire sur la couleur? Le rouge, il a dit. Oui. Et je précise que c'est un béninois. Gale à toi! Hey. Ah. Ok. Oh. On se retracte ou bien? Ah, papa, on n'a pas le choix. Comme j'ai dit, à défaut de la fourchette, on se contente du cuidam. Il n'est pas mal. Il n'est pas... Il a la tête, genre, il est pas mal, il est beau. Il ment. Il a la taille, j'aime les hommes qui ont la taille. Maintenant, j'aime aussi les hommes qui ont les tablettes de chocolat et les barbes. Il y en a, je confirme, il y en a. Non, c'est pas ça. Oui, bon, ce sont les tablettes de chocolat, oui, je n'ai pas refusé, ce sont les tablettes de chocolat. Mais quand tu le vois, tu vois, j'aime Francis Ganou, non? Champion, je sens que tu as passé des heures à la salle. Mais, je dis encore mais, je peux jongler avec. Je n'ai pas le choix, papa. Le dehors, c'est dur. Est-ce que tu acceptes à ce qu'on jongle avec toi? Jonglage. Elle dit, on non. Te met sur le pied, puis on tape. Non, quand il dit jongler, là, c'est pas qu'il veut jongler avec lui. En là, gros, ce n'est pas le premier choix. Mais comme c'est ça qui est là, on prend. Champion. La seule chose qui est due à augmenter, là, c'est la taille. Il a déjà la taille. Donc, je peux lui donner beaucoup le couscous cuit, le couscous ndolé. Bon, le couscous, c'est la pâte de maïs. Donc, attends. Donc, tu veux dire que... il ne mange pas bien, quoi. Moi, je ne sais pas. Il ne vit pas avec. Mais si... On va faire simple. Vous mangez combien de fois par jour? Au moins 4 fois par jour. Et tu ne grossis pas? Champion, toi aussi, tu es sec. Tu es sec. Parce que nous, là, on a grandi. Quand on a grandi chez nous à Bafoussam, c'est le couscous sauce gombo qu'on nous donnait. Le couscous, c'est la pâte de maïs. Pourquoi tu vois? On est comme ça. Tout ça. La nourriture locale. C'est le couscous. Non, c'est la sincérité en question. C'est ça, s'il mange ça, tu vas voir, maintenant il va prendre, et maintenant il va aller à la salle de gym, il va voir les tablettes de chocolat. Papa, le deuil est dur, le piment c'est il y a 300 francs, donc ce qu'on veut, on prend. Ok. Champion, je vais te poser une question, et cette question, elle est décisive. Si jamais on te propose de partir avec elle en rendez-vous galant, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, moi j'accepte. Ouais, il y a dit non. Allez apprendre à vous connaître là-bas, quittez ma caméra. Les amis, restez connectés, d'autres émissions arrivent. Vous voyez, à partir d'une émission, l'amour peut naître. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter. Let's go pour le prochain épisode.